want to hear vos servir on se concentre Undertale. En français. Je vous ai laissé l'introduction, hein, j'ai fait un silence, parce que c'est toujours beau de lire ce qui est marqué, enfin, je vous fais rien, hein. Par contre, j'ai baissé ça à mort. Là. Voilà, comme ça, moi, pour mieux m'entendre, je pense. Donc les instructions, Z pour entrer pour confirmer, X pour annuler, C pour menu, F4 pour écran, maintenir escape pour quitter. Si vous pouvez atteindre 0, vous perdez. Nommé lui m'a trompé. Bon, bien sûr, je joue pas sur manette. Hein. Je joue sur le clavier. Arrêtez de trembler, vous. Non, est-il correct? Ouais, il y a une faute d'orthographe, donc oui, il est correct. Non. Eh ben, qu'est-ce que je fous là? Alors, bien sûr, je vous préviens, je vais faire les trois routes. Hein. Génocide, route, neutre. Bien sûr, je vérifie génocide en fait. Coucou! Moi, c'est Fleury. Fleury, la fleur! Hihihi. Le frontier est venu à nouveau? Et puis quoi encore? C'est pas très connu, pas comme si tu ne le connaissais pas. Quelqu'un se doit de pas prendre de bonnes manières. Je suppose qu'une vieille branche comme moi ferait la tête. On peut y aller? C'est parti! Tu vois ce cœur? C'est ton Luna. La somme de tout ton être. Au début, ton homme est faible, mais devient plus puissant en gagnant des LV. C'est quoi LV? Bah, l'heure, l'amour, évidemment. Tu veux de l'amour, non? T'inquiète pas, je vais t'en donner. Ici, l'amour se partage grâce à des petits pétales d'amitié. C'est bon pour toi? Bouge, attrape-les encore que tu peux. Nope. Oh. Mon pote, il a raté. On réessaye, d'accord? Nope. C'est une lag. Tu es débile. Fonce dans les projectiles. Nope. Eh bien, on se dit à tous à ce que je vois. Tu veux juste me voir souffrir. Meurs. La course vient. Je vais mettre un vieux. Moins de chances que je me fasse toucher. C'est qui elle? Quelle horrible créature! Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. Ah, mes crapes, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des rues. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'est aventuré en ce lieu depuis longtemps. Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Histoire des catacombes. Par ici. Maman chère, ouais. Oh. L'ombre derrière se dessine au-dessus de vous. Vous êtes remplissant. Bon, vous remplissant de détermination. Et j'ai entièrement restauré. Oh! Maman chère, attends-moi. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des rues. D'accord, les puzzles. Les rues sont remplies de rues. Elles consistent en un amalgame archaïque. Le clé est super. Bien sûr, il y a des mots que j'arrive pas à dire. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Après toi, au revoir souvent. Oui, maman chère, s'il te plaît, je me bouge. Pour progresser ici, il te faut enclencher plusieurs interrupteurs. N'inquiète pas, j'ai marqué ceux que tu dois actionner. Ah bon? Alors c'est dire que je dois actionner celui-là. Oh. Ceci, celui-là. Super.
passons à la pièce suivante. Le son est encore trop fort. Bien sûr, je m'excuse hein, pour tout, mais voilà, c'est juste que le son est un peu fort. Bon, alors, maman chère, s'il te plaît, dans l'autre monde, on dit underground. Bon, faut pas attention, moi je veux dire underground à chaque fois. Les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer à y faire face. Mais les craintes, le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, tu entames une conversation amicale. Essaye de gagner du temps, je viendrai pour résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler au mannequin. Bonjour. Vous rencontrez le mannequin. Mannequin, pareil. Vous parlez au mannequin. Ils ne sont pas vouloir discuter. Vos actions ont l'air de faire plaisir à Toriel. Victoire, vous êtes une 0 XP et 0 plus. Je sais pas si. Ah, très bien. Tu te drôles très bien. Je sais, mais je vais te tuer. Il y a une autre ennemie dans cette pièce. Je me demande si tu peux la résoudre. Maman, s'il te plaît. Je veux manger. Oh shit. Mais non! Avant, je sais pas. Casse-toi! Victor, je vais te je le rencontrer, encore une fois, il est blessé, je veux le tuer. Voici une ennemie, mais. Viens, prends ma main à l'instant. J'ai pas confiance. J'ai tellement pas confiance. Pourquoi aussi il y a des énigmes chez elle? C'est pour ça que les humains passent. Les énigmes ont l'air un peu trop dangereux pour le moment. Bah ouais! C'est pas logique, non? Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. C'est pour moi que je voudrais qualifier cette énigme. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par terre. Pardonne-moi. Salutations mon enfant, oui bonjour. Ne t'inquiète pas, je n'étais pas volé, je sais que tu es derrière un pilier. J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps. Je sais, je t'ai parlé, mais tu ne peux pas comprendre. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Et de s'associer cette fois à vous, oh combien important. Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je t'en prie. Je te prie. J'aurais dit, je t'en prie, c'est mieux. Dans le choix d'aller explorer par toi, j'ai une idée. Je vais te donner à les gens ou on est Victoriel qui a dit qu'elle va nous donner un téléphone portable. Donc je vais te donner un téléphone portable. Je suis la joie intérieure. Ah merde, oui. Bon bien sûr je vous ferai un tutoriel. Hein. Non, je vous ferai un tuto pour pouvoir l'installer rapidement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me donner. Sois sage, d'accord. Alors bien sûr, je vais rajouter des lettres pour que ce soit plus facile à lire. Bling. Allô, Toriel, l'appareil. Tu n'es pas, tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas? Il reste encore plus loin que je dois t'expliquer que ce soit dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord. Oui, maman chèvre. J'espère qu'ils aient fait avec les spécialités des empreintes de contamination. Vous pouvez entièrement restaurer. Quoi? Excuse-moi, Emma. J'étonne que le conseil a donné pour affronter les monstres. Si tu étais plus certaines actions, ou si tu continues le combat jusqu'à les épuiser, et pour un peu avoir envie de battre contre toi. Si un monstre a pu se battre, s'il te plaît, fais preuve de clémence. Pourquoi? Le crapaud qu'il a. Waouh.
meurt. C'était moi, c'est vrai. Ah, attention, ça va être tranquille de gagner, mais je... Oh non, pas ça. Oh si! Oh non! Oh c'est pas ça quoi! 3-3. Olé! Tortue! Oui, je dis torture, c'est une. Quoi? Miaou! 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 Elle est un crapaud! Oui, allô, pas de mariage! Juste comme ça, que préfère-t-il encore? La cannelle et le caramel! J'aime pas le caramel, j'ai pas la cannelle. Je fais comment pour faire un truc? Oh, je vois, merci beaucoup. Clic. Vous êtes une fois XP, votre love augmente. Non, ça je descends dessus. Ah non, c'est pas du jeu ça, pas sympa. Là, je déteste les ennemis. Oh, un ennemi que j'en suis. 3-3. Pour chaque coup, tu meurs. Ah, ça c'est une petite vérité, ouais. Voilà. Je suis bien sur les 3-3. Je suis pas fort là. Mon plat. Meurs. 3-3, c'est mort. Nika, vous avez 5 XP et 5 kilos. Je pense que c'est l'argent le kilo. Et là, pas clair. Qui a dit que tu pouvais me pousser? Nous? Donc tu me demandes de bouger. Ok, juste pour toi, mon lapin. Nous? Tu veux que je bouge encore un peu? La Kodak, elle va comme ça? Non, mon gars. C'est la mauvaise direction? Ok, je crois que c'est bon. Ah. Donc je reste dessus, qu'est-ce que je ferais pas pour que... Ouais, t'as pas intérêt à sortir la bataille, je crois pas que c'est mon arrière. Oh putain, mais c'est tellement limite. Je pense que c'est normal. Oh, laisse ta boucle. Personne n'arrête pas de leur faire une Z à voix haute en passant dans le corps. Une clarté de force. Non. Alors t'es plus obligé de clarté de force. Moi je voulais clarté de douceur. Ça marche pas. Et voilà, Nasa Blue.
courage. Vous seriez patient, moi, n'est-ce pas? Laisse-moi essayer. Appelle-moi Blouk, la dent du diable. Qu'est-ce que ça peut être pour toi? Attention, la salle 2, encouragez. Oh, dis. J'habite derrière vous parce qu'il n'y a personne dans le cours. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un vraiment magnifique. Oh, je suis encore en train de dire du blague. Je vais m'établir de vous. Bah merci. Merci Billy. Quoi. Ouais, attends, c'est pas possible. Je connais pas lui. Vous lui dites que ça a ton esprit, ça a essayé. Attention à ça. Aïe! L'arôme de gélatine va se prendre vers le cul de l'air. Blanc, bleu. Ah, c'était quoi qu'il faisait? Allô? Ah, à vrai dire, je ne suis pas seul ménage. Et puis encore. Je ne veux pas avoir ma tête tournée si tôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui ferment dans la. On peut les ramasser, mais il faut strictement tout ça. Un jour, tu verras peut-être quelque chose que tu auras vraiment envie. Il est alors préférable d'avoir de la place dans tes poches. Et ben, je vous dis tout de suite, hein, que. Ben, je sais. Bien, ouais, les gens, on se retrouve pour la suite de notre vie. C'est sûr, hein. Sort de terre. Bah merde, Gombo. Goût frais du matin. Ah, goût frais. Contient des vitamines A. C'est bien, on révise les vitamines. Victoire, vous avez 6 effets et 1 PO. Pourquoi pas, il y a du coup maintenant.
Là, je suis perplexe. Pourquoi fallait-il que je remarque un téléphone bleu derrière le port? Nathan, tu es dessus? Oui. Nathan, j'ai plus. Mais ça va encore. Non, et maintenant, c'est un peu fort. Allez, là je suis un milliard. Allez! Et pourtant j'ai pas vu le display, hein. J'ai juste vu leur le stepper en fait. Juste parce que je me suis un peu spoil. Oh, un couteau! Couteau en plastique? Ouais. Attention, je vais te tuer! Twister. Oh malheur, ça a pris du temps que je m'en fais français. Alors, pourquoi là? Que fais-tu ici, mon enfant? Tu n'as rien? Viens, viens, je t'aime pas pour cette impression. Je n'aurais pas dû te laisser comme ça aussi longtemps. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on n'a pas essayé de te surprendre un peu. Hop! Viens, j'ai une fois que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, mon petit acteur. D'accord. Ouais, les gens sont bien d'accord. Ils dans la ville complètement. Oh, purée, c'est mauvais. Ils sont pas quelque chose de surprise. Une tarte à Athénée, de caramel. J'ai pensé qu'on devait fêter. On devait le fêter pour l'arrivée du jeu de ta nouvelle vie. Ici, c'est pas ce que je connais, c'est parce que j'en oh. Une tarte aux escargots? Non, merci, Thorien. Et voilà. Chance, rien pour toi, j'espère que ça te plaît. Oh. Ça va faire pas bruit. Oh. Je vais faire un petit peu de faire. Il va passer un pourquoi le skate ne fait pas d'amis? Parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas parler aux autres. Le reste de la page est rempli de blagues de famille. Mais je sais pas, quand tu fais mon prochain rôle, c'est où tout le monde va me dire, voilà, t'as un niveau de merde. Bah, excusez-moi, c'est le syndrome de Zax. C'est toi. Alors, c'est fou quand même, comme c'est beau. En plus, une petite maison de. Je crois. Bonjour mon enfant. La table n'est pas encore produite pour l'instant. Je devrais peut-être faire une sieste. Je pourrais. Ouais. Après tu as un bon repos après avoir fait une bonne dizaine de victimes. Oh une tarte. Oh c'est choupi. Oh c'est choupi. Oh c'est Astro Choupi, merci Thorin. Oh merci Thorin, je connais. Ouais, ah ce que je vois. C'est vrai que tu saches combien je suis heureuse de te voir. J'ai tellement de vie que je n'ai pas de vie. J'aimerais que tu fasses. Un peu plus, j'avais mal compris. Mon coin de favori pour chasser les insectes. J'ai également préparé un programme un peu plus difficile. Sûrement que je prends, mais j'ai toujours envie de faire un truc. Ouais, en fait, je. En fait, peut-être que c'est plus facile ce soir. Néanmoins, je suis content que tu m'aies laissé. Oh, aurais-tu besoin de quelque chose? Qui est-il? Moi, je l'aime. Quoi? Mais c'est ici ta maison désormais. Ah, c'est compliqué, ça va. Est-ce que tu voudrais que je te parle dans le lit? Et cette idée, 72 sont utilisés, mais c'est ce qu'il continue. Sur Terre. Et si tu écoutais ce que je faisais? Ça fait passionnant de faire cette scène. J'ai écrit ça sur l'escargot pour dorer de la situation. Que dit ça? Sortir d'un salut.
désire savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas? Devant nous se trouve la fin des rues. Une sortie à sens unique. Mais là, on reste de loin d'encore. Je vais à l'écrit. Plus personne ne me fout. Rachel, je ne comprends pas. Maintenant, c'est ça, j'ai vraiment de passion. Nope. I can't remember. Les humains qui tombent ici, ici-bas, rencontrent le même destin. Je l'ai vu maintes fois. Ils arrivent, ils partent, ils meurent. Quel enfant naïf, sais-tu qui perd? Il, Asgore, c'est sûr. J'essaie seulement de te protéger, tu comprends? Va dans ta chambre. Yup. N'essaye pas de mal. Ceci est mon dernier appétit. Yup. Tu souhaites partir à ce point? Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Je veux que je sois plus fort. Ok. Je suis gentil. Certes, j'ai fait des kills, mais je suis gentil. Combat au battant. I can't. Arrête. N'arrête jamais. Arrête de me regarder comme ça. Ah non! Non, ça c'est lâche! C'est crevé? Va-t'en! Je ne veux pas, c'est pareil! S'il te plaît, Ariel, s'il te plaît! Je sais que tu rentres chez toi, mais s'il te plaît, va à l'étage maintenant. Je te promets que je prendrai bien soin de toi ici. Je sais qu'on n'a pas grand chose, mais on peut avoir une belle vie ici. Pourquoi rends-tu ça si difficile? S'il te plaît, va à l'étage. Pathétique, n'est-ce pas? Je ne peux sauver ne serait-ce qu'un seul enfant. Non, je comprends. Un enfant ne peut pas être heureux. Les ruines paraissent bien exiguës une fois que l'on en a fait tout. Ce ne serait pas juste pour faire grandir un endroit comme celui-ci. Mes espoirs, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je mettrai les ruines. Si tu désires vraiment quitter les ruines, je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras, ne reviens pas ici. J'espère que tu comprends. Oui, maman, chérie. Je te jure que je reviendrai pas. Au revoir. Et bah, oui. Pas de pitié. Mais tiens, j'ai un code en plastique. Il me reste que 1 HP. 1 ou 2 pour. Je pense que c'est 2 HP qui me restent. La sortie, la liberté, la jouissance.
Oh, shit. Malin, très malin. Qui pensera gagner au jeu du plus intelligent, pas vrai? Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Alors comme ça, t'as réussi à jouer son tes propres règles. Tu as permis la vie d'une seule et unique personne. Trois peaux, hémoplast, midi-moi, ancy, misgop. Pense à tous ces mondes. T'es-tu demandé si l'un de ces mondes a une famille? T'es-tu demandé si l'un d'eux a des amis? Chacun d'entre eux reflète la torielle de quelqu'un d'autre. Sale gosse égoïste. Quelqu'un est mort par ta faute. Hein? J'ai gagné pour avoir du log. J'ai bien parce que c'est vrai, j'ai vécu, je suis d'accord. Voilà, Undertale. C'est l'épisode 1 de Undertale. Par Tommy Fox. Faut chier avec leur tour de double. Hein? Et ben voilà, on a fini l'épisode 1. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode, un poil moins long, hein, j'espère. Et bien salut, peace!